Alors pour la fiabilité, tout est soudé, il n'y a aucune cosse. Tout est soudé, tout est isolé. Comme ça, les connexions sont sûres d'être bonnes avec les vibrations, sur les pistes africaines. Alors là, je suis en train d'installer un gros condensateur qui va servir pour l'informatique embarquée, qui permet de stabiliser le courant et surtout qui crée une réserve de courant utile lorsqu'on démarre le véhicule. Le démarreur pompe énormément de courant sur les batteries, ce qui crée une chute de tension pour l'ordinateur. Et bien souvent, l'ordinateur fait un scratch test. Donc, ce gros condensateur emmagasine du courant qui relibère pendant quelques secondes. Donc, ça permet de stabiliser l'alimentation de l'ordinateur. Donc on va tester tout de suite si l'ordinateur démarre. Donc on a le petit bouton pour allumer l'alimentation générale. L'écran s'allume. L'ordinateur est dans la console centrale. Voilà. Hop. Ça s'allume. Super. L'ordinateur démarre. Voilà. C'est parfait. J'en profite pour mettre le contact. Voilà. La lumière intérieure, la lumière du tableau de bord qui vient depuis l'écran. Voilà, qui éclaire toute la console centrale. L'ordinateur a démarré. Il vient de nous positionner tout de suite. Voilà. Différents types de cartographie. Voilà, on a tout de suite le positionnement en temps réel. Voilà, super, tout fonctionne. Voilà, GPS routier, GPS qui sert également à la navigation, la cartographie embarquée qui permet d'avoir tout le détail de la topographie avec différents types de cartes satellitaires. Voilà, un gros ordinateur. Avec beaucoup de cartographie.